soir, this evening, nous allons parler de la marche dans la lumière. We are going to talk about the walk in the light. Pour expliquer deux idées fondamentales. To explain two fundamental ideas. L'idée de l'autorité de la lumière dans nos vies. The idea of the authority of light in our lives. Et l'idée de la rémission de tout péché. And the idea of the abandonment of all sin. Nous avons vu que le nom de Jésus, we saw that the name of Jesus, nous a été donné pour les combats spirituels. Was given to us for spiritual warfare. Pour la prière, pour l'intercession. For prayer and for intercession. C'est en invoquant ce nom que nous ouvrons les portes même du cœur de Dieu. It is by calling on this name that we open the door into God's heart. Un cantiqueur a dit, le nom de Jésus est si doux, il désarme la colère de Dieu. A songwriter said, the name of Jesus is so sweet, it calms down God's anger, it disarms God's anger. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser ce nom. But it's not everyone who can use this name. Ce nom est utilisé par ceux qui marchent dans la lumière. This name can be used only by those who walk in the light. Ceux qui marchent dans l'amour. Those who walk in love. Ceux qui marchent dans la fidélité. Those who walk in faithfulness. Quand tu es un fils des ténèbres, when you are a son of darkness, tu ne dois pas utiliser le nom de Jésus. You shouldn't use the name of Jesus. Parce que la parole dit, quelle part y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Because the word of God says, what part is there between light and darkness? What fellowship is there between light and darkness? Parce que marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité, c'est marcher dans la justice, c'est marcher dans la purité, c'est marcher dans la fidélité. Because to walk in the light is to walk in righteousness, to walk in faithfulness, is to walk in purity, is to walk in truth. C'est d'abandonner les anciennes voies que nous empruntions quand nous étions dans le monde. It is to abandon the old ways that we used to take when we were still in the world. Suivez ça très bien. Listen to this carefully. Quand on est pardonné, when we are forgiven, l'unique chose que Dieu attend du croyant, the only thing that God expects from the believer, c'est qu'il marche dans la lumière, is that he should walk in the light. Il doit marcher dans la lumière. He must walk in the light. Quand tu as été pardonné, when you have been forgiven, quand tu as été lavé, when you have been washed, quand tu as été purifié, when you have been purified, tu dois marcher dans la lumière. You must walk in the light. Et quand tu marches dans la lumière, and when you walk in the light, et que tu utilises le nom de Jésus, and you use the name of Jesus, il y a la puissance. There is power. Il y a la puissance. There is power. Il y a la puissance. There is power. Dans toute proclamation. In every proclamation. Faite au nom du Seigneur Jésus. Done in the name of Jesus. Par ceux qui marchent dans la lumière. By those who walk in the light. C'est un message qui m'avait révolutionné. It is a message that caused a revolution in me. La marche dans la lumière. The walk in the light. Et la puissance de la parole humaine prononcée au nom du Seigneur Jésus. Is the power of the human word proclaimed in the name of Jesus. La marche dans la lumière. The walk in the light. Proclamée au nom du Seigneur Jésus. Proclaimed in the name non, of Jesus. La marche dans la lumière. The walk in the light. Et la puissance de la parole humaine. It is the power of the human word. Prononcée au nom du Seigneur Jésus. Pronounced in the name of Jesus. Quand tu es un enfant de lumière, when you are a child of the light, quand tu dis au nom de Jésus, when you say in the name of Jesus, c'est le feu, it is fire, dans le monde spirituel, in the spiritual world. Les gens qui veulent faire le bien, people who want to do good, et qui sont empêchés par les méchants, and who are blocked by the evil ones, et qui obéissent, and they obey, il dit, je voulais chanter, il dit que je ne dois pas chanter, and they say I wanted to sing, but he said I should not sing. Tu ne sais pas marcher dans la lumière. You don't know how to walk in the light. Vous notez ceci.
Write this down. La lumière représente la vérité, la justice, la pureté, la joie, la gloire ineffable. Light represents truth, righteousness, purity, joy, and unchanging glory. La lumière, c'est la vie de Dieu. Light is the life of God. Car il est écrit que Dieu est lumière. Because it is written that God is light. Dieu est lumière. God is light. Dans Jean 8, verset 12. In John chapter 8, verse 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » John chapter 8 verse 12 says, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Les ténèbres représentent le monde d'erreur, du darkness, mal. Darkness represents the world of error, darkness, evil. Erreur, mal, ignorance. Error, evil, ignorance. Et méchanceté. And wickedness. Quand on dit tu marches dans les ténèbres, when we say you walk in darkness, ça veut dire que tu marches dans le péché. It means that you are walking in sin. Tu ne marches pas dans la lumière de l'évangile. You are not walking in the light of the gospel. Tu ne marches pas dans la lumière de la vie de Dieu. You are not walking in the light of the life of God. Alléluia. Hallelujah. Il est dit que le Seigneur s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. It is said that the Lord covers himself with light as a cover. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16. In 1 Timothée chapter 6 verse 16. Que quelqu'un le lise. Let someone read it for us. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Jacques chapitre 1 verset 17. James chapter 1 verse 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Amen. Écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Pour ceux qui étudient les Écritures, for those who study the scriptures, vous allez remarquer que beaucoup de commentateurs ne veulent pas expliquer ce que veut dire marcher dans la lumière. You notice that many commentators don't want to explain what it means to walk in the light. Parce qu'ils veulent demeurer logiques à leur perception des Écritures. Because they want to remain logical in their perception of scriptures. Pour comprendre ce passage, to understand this passage, il faut être de ceux qui pratiquent la repentance. You must be one of those who practices repentance. Quand tu sais enseigner que un homme qui se repent ne doit plus retourner dans le péché, c'est toi qui as le pouvoir d'interpréter ce verset. When you can teach that a man who repents has no right to go back to sin, you are the one who can teach that passage. Si tu encourages les gens à vivre dans le péché, tu auras des problèmes à expliquer ce que veut dire marcher dans la lumière. If you encourage people to live in sin, you have difficulties teaching people to walk in the light. Explain to people what it means to walk in the light. Certains commentateurs préfèrent sauter même ce verset. Some commentators prefer to skip over this verse. Il explique les autres, ils sautent celui-là. They explain these ones and then they jump. They explain others and then they jump over these ones. Dieu est lumière. God is light. Quand tu viens à lui, tu marches dans la lumière. When you come to him, you walk in the light. Nous étions dans les ténèbres. We were in darkness. Pourquoi dit-on que nous étions dans les ténèbres? Why does it say that we were in darkness? Parce que nous vivions dans le mensonge, le vol, la convoitise. Comme dit Éphésiens, nous allons le lire. Because we used to live in theft, lie-stealing and covetousness, as we are going to read. Et maintenant, nous sommes les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la vérité, la justice, la purité, la sanctification.
And now we are children of light. Why? Because we live in the truth, in righteousness, in purity, in sanctification. Lis pour nous Ephésiens chapitre 5, verset 8. Read for us Ephesians chapter 5, verse 8. 8 et 9. Verse 8 and 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness and truth. Amen. Nous passons maintenant à l'autre idée. We are now moving on to another idea. Relative à la rémission des péchés. Which has to do with the forgiveness of sins. 1 Jean chapitre 1. 1 John chapter 1. Tu vas lire pour nous à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. You read from verse 5 to verse 8. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Arrête d'abord là. Relis. Écoutez ça très bien. Listen attentively. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Si tu marches dans la lumière, if you walk in the light, c'est-à-dire que si tu évites ce qui peut briser ta relation avec Dieu, means that if you avoid what can break your relationship with God, tu seras en communion avec Dieu. You will be in fellowship with God. La marche dans la lumière, the walk in the light, protège ta communion avec Dieu. Protects your fellowship with God. Et si tu es en communion avec Dieu, and if you are in fellowship with God, le sang de Jésus te purifie de tout péché. The blood of Jesus cleanses you from every sin. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Ça peut te, il faut que tu corriges, beaucoup de frères doivent corriger leur manière de voir l'amour de Dieu. Many brethren need to correct their way of seeing God's love. Il y a des gens qui disent, bon, supposons qu'on est en train de prêcher. Just take for example that we are preaching. Et que le Seigneur ouvre son esprit pour la première fois sur un aspect de sa vie qui doit être corrigé. And the Lord opens his spirit to an aspect of his life that needs to be corrected. Et il dit, si je mourais, j'allais partir à l'enfer. And then he says, if I died, I would have gone to hell. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Si tu ignores cet aspect-là en esprit, en vérité, if you ignore that aspect in spirit and in truth, que le Saint-Esprit ne t'a pas encore montré ça, if you don't know it and that the Holy Spirit has not explained it to you, shown you, et que dans les domaines où tu as reçu la révélation, tu marches dans la lumière, and that in the domains that you have received light, you walk in the light, cette parole dit que le sang de Jésus te lave par économie. On se dit, celui-là est bon. Si le jour où il va voir, il va laisser. Donc, Dieu lave tout ça. The blood of Jesus washes all of that. It means that it is said that the day that you know about it, you will work on it. So the blood of Jesus washes you even of those things that you don't know. Parce que tu es un enfant de lumière. Because you are a child of the light. Et qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore vues. Dieu lave toute ta vie, il te purifie de tout péché. And there are things that you might not have seen. God washes you, purifies you of all sin. Mais si tu ne marches pas dans la lumière, but if you don't walk in the light, si Jésus revient, tu n'iras pas au ciel. If Jesus comes back, you will not go to heaven. C'est-à-dire le sang de Jésus te lave dans le présent et dans tout le futur. It means that the blood d'abord, of Jesus, il te lave dans le passé, il te lave dans le passé.
Il purifie ton présent et il purifie ton futur. Means that the blood of Jesus washes your past, he purifies you in the present, and then purifies your future. Ça n'arrive qu'à ceux qui marchent dans la lumière. This happens to those who walk in the light. Ça n'arrivera jamais à ceux qui font l'hypocrisie, la duplicité, la méchanceté, la haine. Vous allez, on va le voir tout à l'heure. It never happens to those who walk in hypocrisy, duplicity, and then hatred. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça, c'est la doctrine du salut. This is the doctrine of salvation. Certaines personnes sont en train de découvrir maintenant que ils devaient laver telle partie de leur vie. C'est maintenant qu'ils découvrent. Some people are discovering right now that this part of their life, a certain part of their life, they needed to wash it. They're just discovering it now. La question est de savoir. The question is, si tu mourais, if you died, tu allais partir où? Where would you have gone to? Mais Dieu te connaît. But God knows you. Il sait que toi là, tu n'es pas bon. Même quand on te dit la vérité, tu discutes. Si tu meurs, tu vas à l'enfer. God knows you that you are not good. That if you die now, you go to hell. Because even when they tell you the truth, you argue. Dieu sait que celui-ci, c'est un enfant de lumière. Il ne voit pas encore. Le jour où il va voir là, le même jour, il va tout laisser. God knows that this other one is a child of the light. As at now, he has not seen. But on the day that he will see, he will wash away everything. Pour cela, for that, il te purifie. He purifies you. Si tu es assis là, if you are seated here, que tu es méchant, and you are wicked, même si tu as donné ta, même si tu dis j'ai donné, tu conjugues le verbe j'ai donné la vie à Jésus, tu n'iras pas au ciel. Even if you conjugate the verb I have given my life to Jesus, you will not go to heaven. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si nous marchons dans la lumière, if we walk in the light, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ça veut dire que quoi? What does this mean? Dieu ne cherche pas les gens forts, puissants, intelligents. God is not looking for people who are strong, mighty, intelligent. Dieu cherche les gens vrais. God is looking for true people. Quand tu es vrai comme Abraham, la Bible dit que Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Un seul acte a fait entrer Abraham dans la justice de Dieu. The Bible says Abraham was true and but it says Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Just one act made Abraham to get into salvation. Il y a des gens dans cette salle. There are people in this hall. Tu peux leur donner l'argent. You can give them money. Tu dis pardon, prenez et péchez. Ils vont refuser ton argent. And you tell them, please take and sin. Ça, they will refuse your money. C'est ça qu'on appelle marcher dans la lumière. That's what we mean by walking in the light. Il y a des jeunes filles dans cette salle. There are young girls in this hall. Qui préfèrent mourir célibataires. Who prefer to die as spinsters. Que d'aller dans le monde épouser un incirconcis. Than going into the world to marry an uncircumcised man. C'est ça qu'on appelle marcher dans la lumière. That is what it means to walk in the light. Il y a des gens dans ce sens qui ne permettront jamais qu'on falsifie un seul trait de l'écriture. There are people in this world who never permit that even an iota of the scriptures should be falsified. Dieu lui-même sait que son cœur est bon, il ne peut pas faire ça. God knows that his heart is good and he cannot do it. Et il te purifie. And he purifies you. Il te bénit. He blesses you. Le sang de Jésus lave tout ce que tu ne connais pas encore. The blood of Jesus washes even those things that you don't know, you don't yet know. Mais il y a des gens, but there are people, tu peux leur expliquer. You can explain tu to them. Prends un verset, tu expliques. You take a Bible verse and explain to them. Ils discutent avec toi. They argue with you. Il dit, mais tout le monde pêche. They say, but everyone sins. Tout le monde pêche. Everyone sins. Le problème n'est pas dans tout le monde pêche. The problem is not with the fact that everyone sins. Le problème c'est que il y a une race qui sait se repentir. C'est cette race-là que Dieu recherche. The problem is that there is a race that knows how to repent, and it is that race that God is looking out for. Jésus dit qu'un homme avait deux fils. The Bible, Jesus said that a man had two sons. Il dit à un fils, allons au champ. Il dit, j'irai.
He told one son, let's go to the farm, and he said, yes, I will go. Et il n'est pas parti. And then he did not go. Et il dit à l'autre, allons au champ. He told the other one, let's go. Et il dit, je ne veux pas aller. He says, I will not go. Après, il se repent, et puis il part au champ. And then later on, he repented and Dieu went dit, with him. C'est celui qui avait dit non là, qui dit encore oui, qui se repent, c'est celui là qui est bon. And Jesus said that the one who said no and repented and then said yes, that is the good one. Si tu prêches la repentance, if you preach repentance, si les gens te critiquent, ne les écoute pas. If people criticize you, do not listen to them. Ils ne connaissent pas la doctrine de Dieu. They don't know God's doctrine. Lis pour nous Luc chapitre 24, versets 45 à 47. Read for us Luke 24, verse 45 to 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and the remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Amen. Qu'est-ce qui doit être prêché à toutes les nations? What must be preached to the nations? La repentance et le pardon des péchés. Repentance and the remission of sins. Donc, ce n'est pas une œuvre humaine. Prêcher la repentance n'est pas une initiative humaine. So preaching repentance is not a human initiative. C'est le Seigneur Jésus qui a ordonné. It is Jesus, the Lord Jesus, who commanded it. Mais quand les gens marchent dans les ténèbres, but when people walk in the darkness, ils ne se repentent pas. They don't repent. Lis pour nous Jérémie chapitre 8 à partir du verset 4. Read for us from Jeremiah chapter 8. À partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Écoutez très bien. Listen attentively. Dieu comprendra. God will understand. Qu'un de ses enfants est glissé et qu'il soit tombé. That one of his children slipped and fell. Mais Dieu ne comprendra jamais. But God will never understand. Que celui qui est tombé reste couché. That the one who fell remained on the floor. Remained lying. Il ne te comprendra jamais. He will never understand you. Ça veut dire que personne ne doit rester passif dans son péché pensant que Dieu aura pitié de lui. It means that no one should remain passive in his sin, thinking that God will have mercy on him. Il dit, un homme peut-il tomber sans se relever? He says, will a man fall without rising? Il dit, pourquoi ce peuple persiste-t-il dans ses égarements? He says, why do these people persist in their waywardness? Dans ses perpétuels égarements. In their perpetual waywardness. Il dit, il n'y a personne qui s'assoit pour se poser la question, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma conduite? He says, no one, there is no one amongst them who sits down and asks himself, what have I done? What has my conduct been? Il dit, ceux qui viennent pour se repentir, ils s'arrêtent seulement à la simple confession de bouche, j'ai péché, pardonne-moi. He says, those who come to repent only end with a confession of the mouth, I have sinned, forgive me. Personne ne dit, j'arrête, je ne recommencerai plus. No one says,
I stop it and I will no longer do it. Il dit, ils reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. He says they take their race as one, as a horse going to battle. Dieu n'aime pas ça. God does not love Dieu that. Aime les gens qui se repentent. God loves people who repent. Et quand tu te repens, tu arrêtes. And when you repent, you stop it. Mais il y a une pensée profonde au verset 8 et verset 9. But there is a deep Relis thought. Pour nous 1 Jean chapitre 1 du verset 8 et 9. Read for us again 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Je veux expliquer ça un peu parce que les gens aiment citer ce verset pour vivre dans le péché. I would like us to read this because people like to cite this verse to remain in sin. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Lis pour nous Isaïe. Read for us Isaiah. Le chapitre 64. Isaiah 64. Tu lis le verset 5. Verse 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Isaiah 64, in English, it is verse 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dit, nous sommes tous comme des impurs. He says, we are all like an unclean thing. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. And all our righteousness are like filthy rags. C'est une vérité ancienne. This is an all-time truth. Dieu veut montrer God wants to show que même quand tu te laves, quand nous finissons de faire la vraie repentance là, that when you wash yourself, even when we finish carrying out true repentance, il faut savoir qu'il y a toujours le péché en toi parce que lui, il est saint. Toi, tu apprends à devenir saint auprès de lui. You should know that there is still sin in you because he is holy, but you are still learning to become as holy as he is. Dieu ne parle même pas de ceux qui ne se sont pas lavés. Il parle de ceux qui se sont lavés. He's not even talking about those who have not washed themselves. He's talking about those who have already washed themselves. Quand ils sont purs, when they are pure, il y a encore des taches sur eux comme un vêtement souillé. There are still spots on them like filthy rags. Mais c'est Dieu qui voit ces taches. But it is God who sees those spots. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean, c'est la même doctrine que si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché en lui, il ment, il se trompe. That's the same doctrine in 1 John chapter 1. He says, if someone says that he has not sinned, he is a liar and he deceives himself. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes, but what God wants you to understand, c'est qu'il y a des gens, is that there are people qui au niveau humain, who at a human level, ont arrêté de pratiquer le péché. Have stopped practicing sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est-à-dire, Dieu témoin qu'au niveau humain, ils ont arrêté. Ils ne pratiquent pas le péché. It means that God testifies at a human level, they have stopped sin, they no longer practice sin. Lis pour nous 1 Jean chapitre 3, verset 6, 7 et 8. Read for us 1 John chapter 3, verse 6, 7 and 8. Et je voudrais que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, apprennent à être humbles devant Dieu. I would like that true children of God should learn to be humble before God. Pour être en conformité avec la vérité qui est dans Isaïe 64 et dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9. To be in conformity with the doctrine that is in Isaiah 64, verse 6, and the one that is in 1 John chapter 1, verse 8 and 9. Cette parole-là n'est pas pour ceux qui vivent dans le péché. That word is not for those who are living in sin. C'est pour les apôtres, c'est pour les vrais apôtres, écrit aux vrais Jean, pardon. Jean écrit aux vrais enfants de Dieu.
It is to true children of God. That's what 1 John says. Il dit, mes frères bien-aimés. He says, my beloved children. Il dit, marchez dans la lumière. He says, first of all, walk in the light. Ça va permettre que tous les péchés, d'abord, ça va d'abord permettre que nous soyons en communion avec Dieu. It first of all permit that we should be in fellowship with God. Et ça va nous permettre d'avoir tous nos péchés purifiés. And then it will permit us to have all our sins purified. Parce que là où tu es assis, because where you are seated, même quand tu as fini de te laver proprement, even when you have finished to wash yourself clean, la splendeur de la justice de Dieu, la splendeur de sa sainteté, voit encore la souillure. The splendor of God's righteousness and the splendor of His holiness still see filth in you. Ce qui peut te sauver, what can save you, c'est que tu marches dans la lumière, is that you walk in the light, et que tu es en communion avec lui, and that you are in fellowship with Him. Et son sang purifie ce qu'il voit là. Ça and purifie. His blood purifies ça all purifie. That he sees. Mais si tu brises la communion avec lui, but if you break your fellowship with Him, toute la souillure là va s'afficher. All that filth will be shown. Donc, marchons dans la lumière. So let us walk in the light. Le sang de Jésus va nous purifier par grâce, par économie. The blood of Jesus will purify us by grace and by economy. Cette parole-là, c'est pour les vrais enfants de Dieu. That word is for the true children of God. Quelqu'un qui vit dans l'alcool, la prostitution, ne doit pas dire, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas de péché, là, c'est parce que dans leur conscience, ils savent qu'ils n'ont pas de péché. Donc, on les exhorte. Non, ne pense pas comme ça, frère. Donc, on leur enseigne à être humbles. So, a drunk or a prostitute should not say, the Bible says that if we say that we have not sinned, we deceive ourselves. No, that teaching is not for such a person. It is for people who have purified themselves and they think that they are pure, and we are advising them that they should not think that way. Parce qu'il ne faut pas que leur effort de sanctification les rend orgueilleux. Because their efforts at sanctification should not make them proud. Et moi, j'aime cette parole-là. And I love that word. Frère, là où tu me vois. Brethren, where you see me, je sais que c'est le sang de Jésus qui me garde. I know that it's the blood of Jesus that keeps me. Mais je ne ferai jamais un tour dans l'obscurité là-bas. But I would never make a turn into darkness. Dites amen. Say amen. Et je te donne le même conseil. And I give you the same advice. Ne fais pas un tour dans les ténèbres. Never stroll into the darkness. Tourne dans la présence de Dieu là. Turn around in God's presence. Ainsi, then, le sang de Jésus, the blood of Jesus, le Fils de Dieu, the Son of God, te purifie de toute iniquité. Will purify you from every iniquity. C'est comme ça que Dieu travaille. That's how God works. De telle sorte que quand tu vas découvrir une tache sur ta chemise, in such a way that when you discover a spot on your shirt, ne dis pas que si je mourais, j'allais en enfer. Dieu ne travaille pas comme ça. Tu trouves une tache, il te sauve. Tu ne vois pas une tache, il te tue. God does not work like that. You discover a spot and then he kills you. If you don't have any spot, he saves you. No. Le sang de Jésus-Christ. The blood of Jesus Christ. Purifie tout ce qui marche dans la lumière. Purifies all those who walk in the light. Tout le monde sait que Jésus a versé le sang. Everyone knows that Jesus shed his Mais blood. Tout le monde ne sait pas que ce sang n'est utile que pour ceux qui ont abandonné les ténèbres. But not everyone knows that that blood is only useful for those who have abandoned darkness. Et parce que en avalant la bière, le sang travaille beaucoup. They think that by swallowing beer, the blood works. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mon ami, tu es délivré. My friend, you are delivered. Oh, tu es délivré. You are delivered. Va. Go. Marche dans la lumière. Walk in the light. Tu es délivré. You are delivered. Tu dis, je ne savais pas, je ne savais pas. You say, I did not know, I did not know. Le Seigneur t'a dit la vérité. Now the Lord has told you the truth. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le Fils de Dieu. The Son of God. Et pour ceux qui marchent dans la lumière. It's for those who walk in the light. Si nous marchons dans la lumière. If we walk in the light. Nous sommes en communion avec lui. We are in fellowship with him. Pourquoi? Why? Parce que Dieu est lumière. Because God is lumière light. Lumière même, c'est son nom.
Light is his name. Quand tu marches dans la lumière, when you walk in the light, il y a une relation directe avec lui. There is a direct relationship with et him. Parce qu'il te connaît. And because he knows et you. Et que cet enfant-ci, cette fille-ci aime la lumière. He knows that this child, this girl loves the light. Et il a libéré le sang. He has released the blood de Jésus of Jesus qui est sur toi tous les jours de ta vie. That is upon you all the days of your life. Sauf si tu renies le Christ. Unless you deny the Christ. Et tu sors de cette bénédiction. And then you come out of that blessing. Lisons quelque chose dans Hébreux. Let's read something in Hebrews. Lis pour nous Hébreux chapitre 12. Read for us Hebrews chapter 12. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Il faut veiller. You must watch. Lis 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 et 10. Read 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Amen. Lis pour nous Ephésiens chapitre 4 verset 1 à 8. Read for us Ephesians chapter 4 verse 1 to 8. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Vous voyez, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. It says, walk worthy of the calling which you were called. Ephésiens 5, verset 1 à 8. Ephesians 5, verse 1 to 8. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt d'exactions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Le verset 9.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Vous voyez, la lumière est associée à la bonté, à la justice et à la vérité. You see, righteousness is associated with goodness, right, justice and truth. Marchez donc dans la lumière. Walk therefore in the light. Quand tu marcheras dans la lumière, when you will walk in the light, n'oublie pas une chose. Do not forget one thing. Devant Dieu, before God, tu n'es qu'un impur. C'est ce que dit le prophète Isaïe et c'est vrai. You are just someone who is impure. That's what prophet Isaiah says and it is the truth. Mais le sang de Jésus, but the blood of Jesus, te couvre, covers you, parce que tu es dans la lumière. Because you are in the light. Tu n'es pas parfait. You are not perfect. Mais le sang de Jésus, but the blood of Jesus, te couvre, covers you, parce que tu aimes la lumière. Because you love tu the light. Tu es un fils de la lumière. You are a child tu of the light. Tu marches dans la lumière. You walk in the tu light. Tu aimes la lumière. You love the light. Tu milites pour la lumière. You walk for the light. Le sang de Jésus est sur toi. The blood of Jesus covers you. Et ton Dieu qui t'a créé, and your God who created you, te connaît, knows you. Il sait, he knows, que tu aimes son fils, that you love his son. Tu n'as pas la force, you don't have strength, mais tu as le cœur, but you have the heart. Et tu as mis Jésus dedans, and you have put Jesus inside. Il ne t'abandonnera jamais. He will never abandon you. Jamais. Never. Mais si tu dis, but if you say, j'ai ma religion, I have my religion, chez nous, where we are, nous on ment. We lie. Et on lit la Bible. And we read the Bible. Mon ami, my dear friend, tu seras surpris. You will be surprised. Au dernier jour. On the last day. Lis pour nous Luc chapitre 13 verset 27. Read for us Luke chapter 13 verse 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Amen. But he will say, I tell you, I do not know you. Where are you from? Depart from me, all you workers of iniquity. Amen. Jésus dit, certaines personnes vont aller réclamer la vie éternelle. Jesus, au dernier jour, c'est-à-dire au jour du jugement. Jesus says, on the last day, some will go and lay claims on eternal life. Il dit, he says, la réponse que Dieu va leur donner, que le Seigneur Jésus va leur donner, he says the answer that the Lord Jesus will give them est la suivante. Is this? Retirez-vous de moi. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire, tout votre travail sur la terre était des péchés. Depart from me. I do not know you. You workers of iniquity. It means that all your work on earth was sin. Il y en a qui se vantent même. J'ai bu hier. Oh, je vomissais comme ça. There are some who even get proud and they say, oh, I drank yesterday and I was vomiting all over the place. Un jour tôt le matin, one day very early in the morning, j'étais à Yaoundé. I was in Yaoundé. Je vois quelqu'un qui a deux petits régimes de planter, deux petits régimes. I saw someone with two very little bunches of plantain. Mais il était content. And he was happy. Et il parlait à haute voix. Il voulait qu'on connaisse ses exploits. And he was speaking in a loud voice. He wanted that we should know about his exploits. Il dit, oh, elle ne saura pas. Elle ne saura pas. Je vais lui dire que je suis allé chez ta belle-mère. Voilà, il t'a envoyé les planteurs. And he was shouting and saying, oh, she will not even know. I'll tell her that I went to my mother-in-law's house, your mother-in-law's house, and I brought you plantains. Et il parlait, il regardait les gens, il parlait. And he was speaking and looking at people. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il what a découché. Il est parti commettre l'adultère. Il a dormi là-bas. He went and committed adultery and slept there. Et en rentrant le matin, elle a vu les femmes qui vendent les plantains. Elle a acheté rapidement deux petits régimes. And then when he was coming back, he saw people selling plantains and then he bought. Donc il dit que quand il va arriver à la maison, quand la femme va se fâcher, il va lui dire que mais j'étais chez ta belle-mère. Voilà même les régimes que tu as. So he said, when he will go home and his wife wants to get angry, he will say, but I was at your mother-in-law's place. Look at the plantains that she gave. Et il était content. And he was happy. J'ai compris le verset qui dit que
Ils se glorifient de ce qui fait leur honte. Then I understood the verse that says they are proud of that which is to their shame. C'est-à-dire, il était pauvre, misérable, quelqu'un qui dort dehors et puis il est heureux. He was poor and miserable. Imagine someone who sleeps outside and then he's happy. Après, dit, j'ai ma religion. Then afterwards, he says, I have my religion. Il marche dans les ténèbres. He walks in the darkness. Il n'a même pas de religion. He doesn't even have a religion. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce qu'il y a dans cette salle? Is there in this hall? Quelqu'un qui veut entrer dans la lumière. Someone who wants to enter into the light. Peut-être qu'on t'a invité, tu es venu regarder, maintenant tu es dans le filet de Jésus. Maybe you were invited and you came to see, but now you are in Jesus' net. Tu sens que Jésus t'a serré dans ses bras. And you feel that Jesus has held you tight in his arms. Si c'est toi, lève la main. If that's your case, raise your hand. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, venez. Yes, come, please. Viens rapidement. Come quickly, please. Nous allons prier pour vous, vous allez rentrer heureux. We are going to pray for you and you are going to go back happy. Pendant qu'ils viennent, while they are coming, quelques frères vont dire merci. Le verset que je viens de vous expliquer là, c'est le feu. Some brethren will thank the Lord because the verse that I just shared with you is fire. Avec ce verset, Abidjan et la Côte d'Ivoire sont délivrés. With that verse, Abidjan and Côte d'Ivoire are delivered. Tous les plans que Satan avait conçus pour garder la nation dans l'ignorance ont été détruits ce soir. All the plans that Satan had conceived to put the nation, make the nation to remain in darkness have been destroyed this evening. Toutes les forteresses du diable bâtissent sur l'erreur, sur la falsification de ce verset sont démolies. All the devil's strongholds that were built on the error, the mistake made on this passage have been demolished. Que les vrais enfants de Dieu prennent ce verset, c'est leur verset, ce n'est pas pour ceux qui marchent dans les ténèbres. May true children of God preach this verse. It is their verse. It is not for those who live in darkness. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours, je cours. It's for that reason that the apostle Paul said, I have not yet attained perfection, but I run towards the goal. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Rise up, come and give your life to Jesus. Abandonne le mensonge. Abandon lies. Abandonne l'hypocrisie. Abandon hypocrisy. Viens. Come. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Entre en communion avec le Fils de Dieu. Get into fellowship with the Son of God. Entre en communion avec le Père. Get into fellowship with the Father. Entre en communion avec le Fils. Get into fellowship with the Son. Et le sang de Jésus-Christ. And the blood of Jesus Christ. Le Fils de Dieu. The Son of God. Te purifie de toute iniquité. Purifies you from every iniquity. Il te purifie de toute iniquité. Purifies you from every iniquity. Alléluia. Alléluia. Si tu es tombé, if you fell, et tu es resté couché, and you remained lying down, Dieu te pose la question suivante. God is asking you the question of, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est tombé en 86, mais à Adjab, qui est couché là-bas? Have you seen someone who fell in 86 in Adjab and then is still lying there? Reviens dans la maison de ton père. Rise up and come back to the house of your father. Oui, tu lèves la main. Where are you? Raise your hand. Est-ce qu'il y a une telle personne? Is there such a person? Lève-toi et reviens. Rise up and come back. Un homme tombe-t-il sans se relever? Will a man fall without rising? Peut-on se détourner sans revenir? Can we turn back without going back? Reviens. Come. Enfant égaré. Wayward child. Reviens. Come. Enfant égaré. Stray child. Reviens. Come back. Reviens. Come back. Reviens. Come back. Oh, raga baga, joro baga. Oh, reviens. Oh, come back. Reviens. Come back. Fils égaré. Stray son. Reviens. Come back. Come back. Oh, raga baga, joro baga, go 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 baga, joro baga.
Je t'arrache des mains de Satan. Snatch you from Satan's hand. Reviens, reviens, reviens. Come back, come back, come back. Harabaka shoro baka sharga baka shoro baka sharga baka. Levez vos mains. Raise your hands, please. Et ne rentrez plus dans les ténèbres. And never go back to darkness. C'est une alliance avec Jésus-Christ. It's a covenant with Jesus. C'est une alliance éternelle. It's an eternal covenant. Une alliance éternelle. An eternal covenant. Avec le Fils de Dieu. With the Son of God. Vous entrez dans la lumière. You get into the light. Vous restez dans la lumière. And you stay in the light. Vous entrez dans la lumière. You get into the light. Vous restez dans la lumière. And you stay in the light. Vous servez dans la lumière. You serve in the light. Vous adorez Dieu dans la lumière. You worship God in the light. Vous marchez dans la lumière. You walk in the light. Toutes choses dans la lumière. Everything in the light. Et le sang de Jésus. And the blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le Fils de Dieu. The Son of God. Vous purifie de tout péché. Purify you from all sin. Purifie de tout péché. Purifies you from all sin. Purifie de tout péché. Purifies you from all sin. Tends ta main et bénissons-les. Stretch your hand and let's bless them. Baissez d'abord les mains. Please put down your hands. Qui d'autre doit venir? Qui vient maintenant avant qu'on ne commence la prière? Who else must come? Lève-toi vite et viens. Before we start the prayer, rise up and come. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs. The Holy Spirit is working in hearts. Si le Saint-Esprit te touche, if the Holy Spirit touches you, ne résiste pas. Do not resist. C'est Dieu qui te visite. It's God visiting you. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tendons nos mains. Let's stretch out our hands. Bénissons-les. Let's bless them. Qu'ils demeurent. That they should abide. Qu'ils soient des enfants de lumière. May they be children of the light. Qu'ils portent du fruit. May they bear fruits. On dit que le fruit de la lumière. It says the fruit of the light. Consiste en toutes sortes de bonté. Consists of all kinds of justice, goodness. Righteousness. De fidélité. And faithfulness. De pureté. Purity. Le fruit de la lumière. The fruit of the light. Prions ensemble. Let's pray together. Au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Nous vous sortons des ténèbres. Take you out of darkness. Nous vous établissons dans la lumière. And we establish you in the light. Nous vous établissons dans la lumière. We establish you in the light. Dites, oh Seigneur Jésus, priez avec moi. Dites, oh Seigneur Jésus. Say, oh Lord Jesus. Pardonne, pardonne, pardonne mes péchés. Forgive, forgive, forgive. Dis Seigneur. Say, Lord. Je sors des ténèbres. I come out from the darkness. Je sors des ténèbres. I come out from the darkness. J'entre dans ta lumière. I get into your light. J'entre dans ta lumière. I get into your light. J'abandonne les ténèbres. I abandon the darkness. J'entre dans la lumière. I enter your light. Garde-moi dans la lumière. Take me into your light. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Garde-moi dans la lumière. Take me into your light. Et bénis-moi. And bless me. Bénis-moi. Bless me. Fortifie-moi. Strengthen me. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Père, ramène chacun sain et sauf à la maison. Lord, take everyone safe and sound home. Et que la grâce soit accordée à chacun. And may your grace abound all. Que tous les mensonges du diable soient détruits. And may all the lies of the devil be destroyed. Que tous ceux qui ont détourné les gens au nom de la grâce soient dans la confusion. May all those who have deceived people in the name of grace be in confusion. Que cette parole parcours la nation. May this word go throughout the nation. Qu'elle restaure tes vrais enfants. May it restore your true children. Qu'elle brise les chaînes de captivité. May it break the chains of captivity. Qu'elle des foules entières. May crowds enter dans les bergeries saines. Get into the holy sheepfold. Que les bergers soient remplis de travail. May shepherds be full of work. Que les bergeries soient remplies de brebis. May sheepfolds be full with flock. Remplis de brebis, remplis de brebis. Full of sheep, full of sheep. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.